Salut, salut! Bon, mais c'est le jour numéro 10. On va voir ce que je vais avoir. J'ai déjà tout préparé. Je vais lire la lettre. Donc, Tyssen s'est arrêté au numéro 10, comme je vous avais dit. Redonne vie à tes vieux vêtements. J'espère que tu l'as pas déjà. À croire que Tyssen, elle sait pas ce que j'ai ici. Qu'est-ce que c'est, jour numéro 10? Alors, franchement, c'est quoi ce 10 là? Un escargot, le truc. J'espère que tu l'as pas déjà. Pourquoi de redonner vie à tes vieux vêtements? Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Redonne... En fait, tu veux pas m'acheter des nouveaux vêtements, Tyssen. Tu veux juste que je redonne vie à mes vêtements. C'est vous savez, le coupe peluche là, pour les habits. L'aspirateur, je sais pas comment on appelle ça. Je vais l'essayer après. Alors attendez, c'est un rase peluche. Un rase moquette. Bon, mais c'est cool, je l'avais pas. Non, j'en avais un, mais je l'avais acheté, je crois, chez Action et il marchait pas. Super cadeau, encore une fois, un cadeau utile. Voilà, nickel. Bon, si vous vous demandez pourquoi je regarde dans les deux sens, c'est parce que je filme là et je filme là. Parce que vous devez vous dire, elle louche ou quoi elle? Non, non, j'ai deux caméras à regarder. Donc j'essaye de partager en deux. Voilà, bon, mais du coup, demain, jour numéro 11. Et il me tarde demain que Tyssen, elle ouvre son cadeau parce qu'il est beau. Par contre, aujourd'hui, elle a vraiment un truc pourri. Bon, allez, je vous dis à demain. Je vous dis et je vous fais des gros bisous. Bisous!